Bonjour les enfants. J'ai une histoire pour vous aujourd'hui. Si vous voulez bien m'accompagner quelques instants, je vais vous la raconter. Ouvrez bien vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Cette histoire se passe dans un aéroport, dans une salle d'attente d'aéroport. Un jour, une dame qui attendait son vol décida d'aller acheter un petit magazine et un paquet de biscuits pour attendre et patienter. Elle prit son sac, alla dans le magasin, choisit un magazine et un paquet de gâteaux. Elle alla s'installer dans la salle d'attente sur un siège qui restait disponible à côté d'un jeune garçon. Elle regarda le panneau d'affichage pour voir à quelle heure partait son vol et commença à se plonger dans la lecture de son magazine. Et puis, bon, la fin venant, elle décida de commencer à manger le paquet de gâteaux qui se trouvait à côté d'elle. Mais à sa grande surprise, le jeune garçon, cet enfant de 7-8 ans, prit également un gâteau et commença à le manger. Bon, la dame était polie, elle ne dit rien. Elle se replongea dans la lecture de son magazine, mais elle avait un petit peu de mal à se concentrer quand même, parce qu'à chaque fois qu'elle tournait les pages, le jeune garçon piochait dans le paquet, mangeait son gâteau. Puis un autre. Et encore un autre. Ouh là là, cette dame devient vraiment très fâchée. Elle n'ose pas le gronder, c'est pas son enfant. Elle cherche du coup la maman du petit garçon en disant « Mais elle va bien intervenir, cette dame. Elle va bien dire à cet enfant que ce n'est pas poli de manger les gâteaux de quelqu'un d'autre. » Mais rien. Personne ne vient. Et elle a beau lui faire les gros yeux, elle a beau trépigner, le jeune garçon continue à manger ses gâteaux à elle. Et lorsqu'il n'en resta plus qu'un, elle se demanda comment ce jeune garçon allait réagir. Est-ce qu'il allait avoir le culot de le manger ou est-ce qu'il allait lui donner? Eh bien, ce jeune garçon prit le dernier biscuit, le coupa en deux, lui en donna un et mangea l'autre bout. Alors là, c'en était trop. Là, ça c'est sûr, son magazine, elle n'en voulait plus. Elle le remit dans son sac et trépigna d'impatience. Quelques minutes après, la maman du jeune garçon arriva et appela Paul en lui disant « Allez, c'est notre vol, on doit y aller. Prends tes affaires et suis-moi. » Le jeune garçon fit un petit signe de la main à la dame en s'éloignant. Mais elle fit semblant de ne pas le voir. Puis elle tendit l'oreille lorsque la maman dit au petit garçon « Mais dis donc, tu as mangé tout ton paquet de gâteaux en 5 minutes, tu exagères quand même. » Et c'est là que la dame réfléchit, regarda dans son sac et s'aperçut que son paquet de gâteaux à elle était resté dans son sac. Mais alors, si son paquet est encore entier et qu'il est là, à qui était le paquet vide? C'était celui du jeune garçon. Et c'est elle qui avait mangé la moitié des gâteaux du garçon. Et c'est ce garçon qui avait accepté de partager le dernier gâteau avec elle et elle ne lui avait même pas dit merci. Ce jeune garçon avait été bien généreux. Le petit garçon avait donné ses gâteaux de bon cœur. Dieu nous demande la même chose. Dieu nous demande d'être généreux avec les autres. Dans Ésaïe, chapitre 28 et au verset 10, il nous dit « Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira « Je suis là ». Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Et écoutez bien maintenant. Ce sera la même chose
si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, le Seigneur sera toujours ton guide. Si vous partagez, si je partage mon pain avec les autres, avec vous, Dieu sera toujours à vos côtés comme à mes côtés. Mon histoire est terminée, je la plie, je la ferme et je la mets dans votre cœur.